Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir encore un très beau réseau HO, celui de Christophe Frère. Christophe Frère n'expose que deux ou trois fois par an. C'est donc une chance d'avoir pu le rencontrer à Valdaon, au premier salon Haudou Miniature organisé par l'association LIX 2800 du Haudou. J'ai eu la chance en étant petit, mon père était pareil, passionné de modélisme. C'était la belle époque jouée, je dirais, dans les années fin années 60, début années 70. Donc on avait un petit réseau à la maison sur une planche, comme beaucoup de familles. Et puis ça m'est revenu il y a quelques années, puisque moi j'étais sur la région parisienne. Bon, la vie est ce qu'elle est. J'ai eu un peu plus de temps en arrivant sur Vesoul. Bon, après on est devenu propriétaire et puis l'espace disponible était beaucoup plus conséquent. Ça m'a permis de pouvoir reprendre ce hobby. Vous avez construit un réseau modulaire, c'est-à-dire que vous rajoutez des modules comme ça de temps. C'est ça, au fur et à mesure, je rajoute des modules, oui, tout à fait. Vous avez commencé par lequel? Alors, par le pont tunnel, ensuite le pont Trois Arches, péninsule modélisme, ensuite la ferme qui vient de chez Architecture de France. Et puis pour finir, là, j'ai commencé il y a deux mois, les deux derniers modules avec le moulin et la bergerie. Des projets d'expansion comme ça ou... Tout à fait, j'ai trois modules là qui vont bientôt commencer, je suppose cet hiver, avec donc une gare, donc péninsule modélisme, la gare PLM, et avec en arrière-plan une petite ville. Voilà. Là, bon, il y a quelques, je pense, 2-3 ans de travail sur ce coup-là. Je ne travaille exclusivement que l'hiver. Donc, pas énormément de temps, puisque j'ai quand même une activité professionnelle qui me prend du temps et j'essaye aussi d'avoir d'autres activités. Vous n'êtes pas en club? Du tout, je ne suis pas en club. Comme ça, je n'ai pas de contraintes. Je vais où je veux, je fais ce que je veux. Pourquoi pas? Aucune inspiration, je dirais, aucun site réel, c'est juste de l'imaginer, de l'imaginaire. Je n'ai pas voulu coller à des sites bien précis et laisser libre cours à mon imagination. Vous avez été influencé quand même par une région par, Je dirais oui, par la Drôme, bon, parce que bon, j'ai la chance de pouvoir côtoyer la société Sylvia. Donc par là, donc pouvoir y mettre énormément d'arbres et autres. J'aime bien le fruitier, donc la région qui se prête le plus à ça est la Drôme, les alentours de Valence. Une époque peut-être? Époque 3, oui, diesel vapeur. 60-70, c'est ce qui correspond à mon année de naissance, entre autres. Voilà. Un peu nostalgique, je dirais, bien que je ne les ai pas vus circuler trop longtemps. Donc n'hésitez pas à le voir. Là, c'est pareil, vous allez
Prochaine dans Aiguillage, rencontre avec quelques membres de l'ARCET, l'association Rhône-Alpine de conservation d'engins thermiques. Elle regroupe quelques passionnés qui ont entrepris la sauvegarde d'une CC 72 000.